Parce que nous sommes dans un état de droit, non? L'état de droit. Oui, avec Félix Tshisekedi, l'état de droit. L'état de droit signifie simplement le respect strict des textes et les appliquer. Et ce n'est pas le cas. Mais lorsque les binationaux dirigent, est-ce que notre constitution dit que la nationalité est in à un certain niveau et binôme à un autre niveau? Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si on essaie un peu de retourner à l'histoire. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Sous Kabila, apparemment. Je vous dis tout. Je savais que vous ne pouvez pas terminer l'émission sans. Sans citer la marchandise qui se vend mieux. C'est de l'histoire, on est censé vous rappeler, sous Kabila, il y a eu autant de personnes que, avec double nationalité. Donc, vous voulez me rassurer ici que Kabila, c'est le modèle de gestion de l'IDPS. C'est ça, non? S'il faut nous rappeler de l'histoire, c'est-à-dire Kabila, c'est le modèle de la gestion de l'IDPS. C'est pourquoi nous voulons encore aller au dialogue, parce que Kabila a fait le dialogue. Vous prédisez des dialogues, Georges Milombo? Mais le discours du président de la CENI, ça dit clairement... Covid, maintenant, c'est une endémie, ce n'est plus une pandémie. Nous devons vivre avec Covid. Vous voyez? Et dire que c'est une contrainte pour les élections, c'est pour nous dire, les acteurs politiques, préparez-vous au dialogue. On va parler des élections après, mais restons d'abord à la première thématique.